samedi matin, je me réveille, je me prépare, je mets mon gilet jaune dans la poche, tout. Ouais, je vais à la gare. Je me suis dit, dès qu'il y a un train pour Paris, je monte dedans. Et voilà. Premier train pour Paris, ben, je monte dedans, pas de contrôleur, rien. Je monte dedans, tu vois. Le train s'arrête à Valence, sur les quais, une armée de flics. Tu sais, comme dans les films, là, quand ils vont dans les trains pour trier les juifs, là, tu vois. Ben, ça faisait un peu comme ça. Les mecs sont montés dans les trains. Ils sont montés dans les wagons, ils ont contrôlé tout le monde. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train, j'avoue. Ils sont montés dans les wagons. Et voilà, tous les gens qui avaient un gilet jaune, qui allaient pour Paris, qui avaient un gilet jaune dans leur sac, il n'y avait personne qui avait un gilet jaune sur eux, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Et voilà, donc plusieurs personnes se sont retrouvées embarquées. On m'a fait descendre du train avec un petit groupe de gilets jaunes. On a essayé d'aller... qui venaient d'un peu partout, hein. Il y en avait une de Marseille, quoi. Il y en avait deux de Nîmes, il y avait, voilà, que je ne connais pas, hein, même si je vis à Nîmes, voilà, je les ai rencontrés sur le quai de Valence, voilà, quoi. Voilà, donc ils en ont embarqué quelques-uns, ils ont embarqué ceux qui avaient des masques anti-poussière sur eux, ils ont embarqué ceux qui avaient des équipements, genre genouillère, coudière, machin, ils ont embarqué. Tu vois, et ceux qui disent, ouais, là, se couvrir leur gueule, ouais, c'est pas normal, blablabla, ben, ils les ont embarqués aussi. Nous, on a été un petit groupe silencieux, on a essayé de prendre un autre train pour Paris, mais là, là, c'était un contrôleur avec des flics à chaque porte, et puis, il nous a empêchés de monter, donc, du coup, voilà, j'ai repris un train pour Nîmes. Je me suis dit que j'allais aller, où il y avait les gilets jaunes à Nîmes. Donc voilà, je suis retourné à la maison, donc j'ai ma douche, mangé un petit bout, et puis en attendant, je regardais RT France, tu vois, voir ce qui se passe un peu. J'attendais quelqu'un pour partir aux gilets jaunes, et je me suis endormi, comme un couillon, quoi, et du coup, j'ai rien fait. Quoi. Genre, je me suis levé, j'ai pu prendre le train pour rien, pour revenir brodé, on va dire. Tu vois, et bon, voilà, quoi. Donc la journée ne s'est pas passée comme j'aurais désiré qu'elle se passe. Voilà, toujours est-il que je soutiens, je partage ce que je peux.